non pas à droite mais dans le milieu, c'est Van Genechten qui jouera à droite. Swinen avec Alak donc et Van Lanschoot. Kandus, Van Dreyden dans l'axe de la défense. Donc Jordanov, on l'a dit à gauche. Thomas Nielsen, Fixel, le triangle. Récupéré par Mathias Fixel. Bagger, calmement avec Guillaume François en un temps. Intervention de Tindou. Laka avec Alak maintenant. La frappe d'Alak tendue et le but d'Alak. Oh, superbe envoi. Et ouverture du score pour le Lyrs est contre le cours du jeu. Non, certainement pas, parce que les Lierrois sont dans le match. On revoit hein, Guillaume François. Bitsindou qui intercepte, on ne gagne pas ce ballon avec finalement Plaka qui vient et Alak qui frappe, superbe envoi et Anthony Maurice surpris par cette magnifique frappe de Alak qui ouvre donc la marque et qui surtout sur donc la suite du championnat, ça veut tout dire. Corner donc donné par Nielsen, il est bien donné, premier poteau prolongé, la reprise, oh, sauvé sur la ligne cette reprise de Undav en deuxième zone là, qui profite de la déviation, reprise de volée, et c'est Lass qui est attentif sur la ligne et qui vient suppléer. Il y a du monde au deuxième poteau, on va varier bien sûr. Thomas, c'est parti, là aussi premier poteau et but, voilà le but de Dante Van Zer qui tout à l'heure avait déjà touché ce ballon, et bien il remet ça et il égalise juste avant la mi-temps et donc repasse devant au classement des buteurs, 19e but et que l'Union égalise. Et ouais, Dante Van Zer qui vient là au milieu sur le banc, le ballon chez Van Zer maintenant. Van Zer rentre dans le rectangle, ouh, il est accroché et c'est penalty. Ouais, penalty, il a hésité monsieur Vermeeren entre le rectangle et pas le rectangle, mais effectivement je pense qu'il ne s'est pas trompé. Mais on revoit Van Zer qui rentre dans le rectangle et effectivement c'est dans le rectangle que le penalty donc face à Bruchmans. C'est parti, Undav, il frappe à contre-pied et c'est donc 1-2 pour l'Union qui respire grâce à ce pénalty. Hein, ouais. Oh ben, c'est dur, bien sûr, pour les Lierrois. M. Vermeeren a effectivement pris la bonne décision. Undav rejoue avec Thomas. Et ça, c'est une occasion peut-être pour Teddy Thomas d'aller vers le but. Thomas, le centre, Van Zer et l'arrêt de Bruchmans. Belle occasion, belle reconversion surtout. Ballon vers Nielsen maintenant. Le mieux positionné pour cela, du moins. Thomas peut mettre lui un ballon dans le rectangle pour Kandus, Bagger ou Van Dreyden qui sont prêts à plonger. Ce sera finalement Thomas qui donne ce ballon directement vers le but. Et intervention du pied. Peu académique mais efficace. Ballon touché, on continue, le ballon n'est pas sorti. Petrov, l'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau. On poursuit donc, Petrov toujours en rectangle. La petite balle, c'est bien vu pour Alak. Alak avec la sortie d'Anthony Maurice qui intercepte ce ballon. Il n'est pas content sur ses équipiers, le gardien luxembourgeois, mais là il a un arrêt. C'est parti, premier poteau s'est prolongé et l'arrêt du gardien sur cette reprise d'Undav. Il y a de la chance, hein, Bruchmans, parce que là, alors, Thomas ou Nielsen, le Danois fait mine de jouer court. Il laisse finalement à Thomas qui met ça dans le rectangle et la reprise sur la barre, qui lèche la barre, reprise de Sibbe Van Dreyden. Jordanov avec Thomas, la Poussin, ouais, joliment fait de la part de la Poussin pour se tourner, la Poussin, le petit ballon dans la foulée de Jordanov, la frappe du gauche, oh, qui passe devant le but, dommage. Nouvelle occasion hein, pour l'Union, occasion qui passe. Et Fixel vers Labo qui n'est pas hors-jeu, Labo limite hors-jeu, Labo le retour et la faute, ouais, il donne coup franc, non, il donne pénalty. Pour la poussée de Jordi Hillekens et carton jaune. Pour l'Union de terminer ce match, on revoit hein, la poussée ouais, qui se passe quand même en dehors du rectangle. Là, donc pour moi, erreur là de monsieur, ouais, effectivement. Là, c'est parti, Labo qui frappe à contre-pied et donc 1-3 pour l'Union. Unionistes dans ce championnat. Dans les arrêts de jeu, monsieur Vermeeren va sans doute mettre fin à cette partie. Voilà, c'est terminé donc. Victoire de l'Union, 1-3 ici au Lyrs. Ça avait mal commencé pour les unionistes et finalement, eh bien...